comment penser avec E, penser avec A, demain quand l'incertitude persiste. Difficilement, penser en tout cas avec E, difficilement, ma première réaction serait de dire ben, de penser au plus près d'aujourd'hui et en même temps, il y a cette nécessité pour lutter contre le désespoir, pour garder l'espoir, garder l'énergie aussi de faire des efforts aujourd'hui, de se dire demain ça ira mieux, hein, demain ça va aller mieux, ça va s'arranger, se projeter dans une autre situation est salutaire et évidemment une réaction plutôt saine et en même temps elle est le prix à payer de ces projections heureuses peut-être trop rapides ou trop ambitieuses éventuellement nous mènerait peut-être à un cumul de déceptions et de deuil. Enfin, donc il y a un prix à payer et un équilibre à trouver à mon avis entre se projeter suffisamment, pouvoir penser donc à demain de façon finalement pas trop utopique et de considérer l'aujourd'hui, le quotidien, dans ce qui est et dans ce qui se passe bien et tout ce qui se passe bien dans ce quotidien à côté de ce qui va mal. Ça me fait penser à certains médecins spécialistes voilà, de l'OMS qui disent effectivement depuis une pandémie finalement c'est 2 ans et moi je me dis zut alors si je l'avais su depuis le début je me serais préparée psychologiquement autrement mais nous avons évolué avec cette pandémie de mois en mois d'abord de semaine en semaine alors qu'en fait dans les faits ben, une pandémie c'est 2 ans, la première année la plus dure et après les restrictions vont être de plus en plus faibles, hein, mais on peut considérer qu'à chaque ouverture, à chaque lâcher de relâchement vers nos libertés, c'est plutôt un succès. C'est une façon de considérer les choses aussi, peut-être différemment, plutôt que de se dire je voudrais récupérer toutes mes libertés et chaque annonce de privation, finalement, je la regarde avec un regard de colère et suspect, même si c'est compréhensible, bien entendu. Alors, penser avec A, c'est effectivement prendre soin. Alors, je dirais que c'est prendre soin principalement de ce qui fait ressource pour nous. Finalement, c'est peut-être la meilleure façon de penser les choses et les ressources pour nous et les plus accessibles possibles. De nouveau, peut-être imaginer ou regarder les choses que nous n'avons pas actuellement comme étant des façons de nous soigner, de venir en aide, mais inaccessibles aujourd'hui. Ah, je ne peux pas faire mon sport habituel ou je ne peux pas aller à tel endroit où je vais d'habitude en vacances pour ceux qui ont les moyens de le faire ou je ne peux pas voir tel et tel ami. Ce sont des ressources partiellement accessibles. Au niveau de notre morale, c'est sûr que ça ne va pas nous aider. Donc là aussi, prendre soin de nos ressources proches. Et d'aujourd'hui, et de les valoriser, de les célébrer, de réfléchir à ce qui peut être célébré et qui nous fait appui, qui nous rend joyeux, même des toutes petites choses de la vie et de nos relations.